Eh bien, c'est tout le monde, c'est Raiden. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur Modern Warfare 3. Eh bien, non, on se retrouve sur Black Ops 2. Excusez-moi pour cette erreur. J'ai tellement l'habitude de dire Modern Warfare 3 maintenant que, bah voilà, quoi. J'ai l'habitude et donc j'arrive pas à enlever cette erreur pour l'instant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc, on se retrouve sur Black Ops 2 pour un petit projet qui serait, qui est le drone. Donc, c'est la saison 2 de cette série, la saison 2 de cette série. Voilà, donc je suis vraiment heureux, voire même, ouais, content. Parce que, voilà, pourquoi ça m'exclut? Ouais, mais je suis content parce que ça me permettra, à vous aussi, je pense, de découvrir les d'autres nouveaux qui seraient. Donc, notamment, le drone de chasse, le gardien, le Terrain Fire ou des choses comme ça. Donc voilà, hein, ça nous permettra de, en même temps, d'avoir une petite série en live. Ça fait toujours plaisir. Et aussi, en fait, j'avais prévu d'avoir le drone avec un petit pétard, mais étant donné que Jobin, c'est la plus grande map selon moi du jeu. Dans le multi, bah, je pense que je vais plutôt jouer à bon, sniper tout simplement. Et en sachant que je suis vraiment une bite au sniper, bah voilà, on va faire des hardscopes. Les quickscopes, en même temps, j'arrive pas à trop en faire parce que c'est. Je trouve que le sniper pour viser est assez lent. Ah, c'est dommage. Regardez, normalement, c'est j'allais jouer avec cette classe-là. Mais bon, je joue avec ça plutôt. Domination. Je n'ai pas le droit de prendre les positions, bien sûr, vous me l'avez dit dans les Capturer commentaires. l'objectif. Et bah, je Sécurisé. prends toutes vos Éliminant idées sept en compte. wagons ennemis dans votre secteur. On a peur, ça va être assez difficile pour moi. Donc, là, je reste à la grenade grâce à gilet pare-balles. L'ennemi a pris B. Et par la même occasion, j'en ai vu un là. Oh! J'ai eu alors que j'ai tiré à côté. Bref. Par la même occasion, étant donné que je suis niveau 55, j'ai la possibilité de passer mon prestige. Et donc je passerai en live tout simplement parce que je connais de nombreuses personnes qui ont peur de passer leur prestige, de peur de. Voilà, parce qu'en fait ils ont. Comment dire? Ils ont envie d'avoir l'atout fantôme, comme moi par exemple. Mais ils ont peur de se tromper et d'appuyer sur un autre bouton ou. Je ne sais quoi. Voilà. Ou d'appuyer sur un autre bouton. Enfin, un autre bouton, hein, une autre case. Enfin, je vous montrerai tout ça, comment faire. En tout cas, je suppose que tout le monde va prendre l'atout fantôme, étant donné qu'il y a énormément d'avions espions sur ce jeu. Bah, parce qu'on est au début du jeu, tout simplement. Et en même temps, bah voilà, quoi, c'est un qui serait qui nous permet d'obtenir beaucoup, beaucoup de points. Il y a un mec là. Enfin, regardez. Ah. Ouais, il y en a qui sont forts au snipe. Pas comme moi. Aide à viser, bah ouais. Voilà. Je vais la mettre à 8, ma sensibilité. Par contre, j'ai envie d'aller prendre une position. Parce qu'on est en train de perdre. Tireur éliminé. Voilà. Confirmé. Il m'en manque deux. Allez, c'est possible. Ah! Hitmarker, sérieux! Oh, dégue! Regardez ça! Oh, tant pis. Sinon, j'aurais dû mettre le sniper qui ressemble au Dragunov. Il est bien, lui. On peut bien mitrailler. Ça va faire rager les gens. Donc, en fait, les amis, je parle avec. Enfin, je commente avec mon micro. Adaf d'assaut en attente d'ordre. Enfin, mon micro, bah oui, bien sûr, mais mon micro du Triton, donc si ma voix n'est pas. Oh. Si ma voix n'est pas la même que d'habitude, bah c'est normal. Oula, j'ai chaud, hein. Enfin, j'ai de la chance plutôt. Ça sert, on sait que ces trucs-là, là. Truc électrique. Les couteaux électriques, parce que dès qu'une personne passe à côté, bah voilà quoi. Ça électrocute. Ce que j'aime bien faire avec le zoom, c'est ça. Allez.
Épée. En plus, c'est un petit. Un drone en approche. Passe ta tête. Passe ta tête. Oh, vas-y, il est pur. Je me suis fait repérer par contre. Oh oh oh. Sniper à terre, en avant. Oh. Dragon ennemi dans votre secteur. Merde, je n'entends rien. Il m'en manque un. Oh. Oui. Oh, j'ai trop de la chance. Moi, j'ai mon drone. Voilà, c'est terminé. Oh, pourquoi tu me tues avec ça? Oh voilà, j'ai terminé hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vas-y, je lance ça. On va s'amuser avec l'air. Non. R6D. Merde. Faut que je trouve quelqu'un, c'est la fin de la manche. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage un petit peu d'avoir mis deux manches. Pardon, 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 pardon. Pardon. Merde, 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 ils sont où les gens? Oh, je l'ai eu quand même, heureusement. On a perdu cette manche, mais c'est heureusement. Par contre, j'ai l'objectif là maintenant. Je vais rester avec le sniper pour vous montrer comment je suis nul. N'empêche, je fais du 11-5, hein, c'est bien quand même. Il y a des personnes qui m'ont demandé de le faire au RPG ou à des choses comme ça, mais. Voilà quoi. J'ai pas vraiment envie. Domination. Enfin, c'est pas que j'ai pas vraiment envie, mais c'est que j'ai pas envie du tout. Attendez, je vais prendre A. Attention. Je vais prendre B en même temps pour la même occasion. Drone en attente. Mais j'ai deux drones en fait. Il faut lui mettre un grand scope. Parce que j'ai au oh. Et tiens, mec là. Voilà. Ah, j'avais plus le menu. Tant pis. Attention, drone de brouillage ennemi activé. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, je disais quoi plutôt? Ouais, que j'avais joué l'objectif, hein, parce que. Ah, ma tourelle, elle va aider sur B. Parfait. En plus, cette tourelle automatique sur ce jeu. C'est l'heure de vérité. Du nerf. Sont. Dévastatrices. Vas-y. Putain, si je te mets là. On va perdre A. Ah non, c'est pas bon. Ah, ça a tout tué là. Je vais mettre un truc électrique sur A. Hop. Artilleur d'aéronef en attente. Menace repérée. Comme ça. Ah merde. Putain, j'ai tiré. Tenez vos positions. Micro station orbitale activée. Voilà, chez moi en fait vous allez voir plus du R-scope que du Q-scope. Hein. En tout cas sur ce jeu, parce que je suis vraiment nul. Artilleur d'Adav en attente d'or. Merde, j'ai par balle. Putain, sur A. Ah, en tout cas, on a pris C. Oh. C'est quoi? Ah non, merci. Drone ennemi en approche. Drone de brouillage en approche. Parce qu'en fait, la tour est automatique, elle est automatique, mais on peut aussi la contrôler en même temps. Mais je préfère farmer kill à l'arme pendant qu'elle fait le taf. Drone allié en approche.
En fait, là, on peut entendre ma tourelle attirer. Bah, j'en déduis qu'il y a du mot sorbet, du coup. Franchement, là, je suis désolé pour le commentaire. Parce que. Bah, parce que voilà, quoi, il est pas. Pas top. En fait, comme mon spawn est là-bas, je vais plutôt la mettre comme. Mettre. Le truc en comme ça plutôt, parce que. Ah, les bâtards. Ils m'ont détruite. Tant pis. Je fais du 14-11. C'est pas très bien. Drone ennemi en approche. Attention, MQ-27 ennemi repéré. Tireur éliminé. Je me concentre un peu. On va faire un score un petit moyennement potable. Je lance tout sur A. Je vais passer par B. Oh, en tout cas, je sais ce qu'ils sont. Je suis contourné. M'a pas vu ou quoi? Il reste peu de temps. Attention, dragon ennemi repéré. Artilleur d'aéronef en attente. Je fais du 19-11. Oh, on va perdre. Ça va aller. Vite, mon colis, mon colis. C'était quoi? Elle est où? Oh, c'est quoi ça? Mon colis, il était suspendu. Grenade lancée. Enfin, il était en lévitation en fait. Bon, ben voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, les premiers épisodes, ben voilà, ils sont assez simples. Et j'espère que du fait qu'ils sont simples, vous n'allez pas m'insulter. Enfin, comme la dernière fois, on m'a dit, ouais, t'as eu le drone, t'as fait une vidéo de 10 minutes juste pour avoir un drone et des choses comme ça. J'espère que vous n'allez pas me dire ça parce que... Voilà quoi, moi ça me déplaît parce que je fais un épisode. Et voilà, ça, c'est pas que c'est dur à faire, mais voilà, il y a quand même la préparation à faire. Là, si vous voyez ma chambre, ma PlayStation, elle est quasiment renversée parce que... le boîtier de mon traiton est trop loin vis-à-vis de mon PC mon PC fixe, donc c'est vraiment galère là. Mais même les fils risquent de casser. Bon, bah, maintenant je vais vous, on va passer mon prestige en live, hein, les amis. Donc pour ce faire, donc vous allez dans caserne, donc là dans caserne, et il y a marqué carte d'agent. En orange là, au milieu de l'écran, et vous allez dans mode prestige. Donc une fois que vous êtes là, vous appuyez sur mode prestige, parce que dans l'autre on peut pas, tout simplement. Et ici on pourra, ce sera disponible après le passage au niveau prestige suivant. Donc là on va passer, il y a marqué passer au niveau de prestige 1 pour continuer votre progression. Donc ok, après il y a en savoir plus ou pas maintenant. Moi j'ai envie de le passer, donc en savoir plus, hein, tout simplement. Et mode prestige, on appuie. Et donc voilà, je suis prestige. Ensuite, à partir de là... Attendez, ça... Là, on a entendu un truc. Donc voilà, j'ai gagné un trophée. Et donc j'ai une récompense prestige, là. donc voilà, donc je clique dessus pour avoir ma récompense. Et il nous propose trois récompenses, et on doit choisir une dedans. Donc en fait, le tout premier, c'est nouveau départ. Truc qui sert à rien, puisque vous recommencez votre prestige carrément. Vous êtes prestige 1, mais avec rien du tout. Donc truc qui sert à rien, je pense. Ensuite, deuxième joker, on a
Récupérer tous les jetons de déblocage dépensés dans le niveau de prestige. Peut-être réalisé une fois au niveau prestige. Donc en fait, c'est pour récupérer tous vos jetons. Donc je pense que... Moi personnellement, je pense que j'en ai une trentaine. Donc en fait, j'ai pas envie. Et là, en fait, c'est avoir une classe supplémentaire en fait. Donc moi, ça va me servir beaucoup. Parce que j'ai vraiment galéré sur mon M3 juste avec 5 classes. Là, en soi même, j'ai que 5 classes, donc je galère beaucoup. Une classe en plus, bah, ce n'est pas trop, donc je vais la prendre. Donc voilà, débloquer un emplacement. Voulez-vous sélectionner une seule récompense? Utiliser, quoi. Ouais, bah oui. Donc voilà, à partir de là, regardez, mon emblème. À droite, c'est un aigle en vert. Donc voilà, je suis niveau 1 prestigiant. Et est-ce que j'ai encore mes armes? Non, du coup, regardez, j'ai plus mes armes, ni mes kissrakes. Et donc, faudra les débloquer. Donc voilà, il faudra les débloquer. Ensuite, bah, je pense que pour... comment ça s'appelle? Bah voilà, c'est fini. On a passé le prestige ensemble. C'est tout pour moi, les amis. Bah, je vous revois peut-être, là on est lundi, normalement je vous vois ce week-end, peut-être vendredi ou samedi, ou dimanche. En tout cas, ma précédente vidéo, celle où j'ai commenté pendant 20 minutes, j'étais assez déçu. Enfin, pour l'instant, là, elle a que 70 vues, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la majorité des personnes qui ont regardé cette vidéo l'ont regardé jusqu'à la fin, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier juste pour ça, en tout cas ceux qui l'ont regardé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à la regarder, vous allez juste sur ma chaîne, vous regardez la vidéo. Elle dure 20 minutes, j'ai commenté, enfin c'était mon plus long commentaire et j'étais fier de moi à la fin. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce projet qui serait que vous aura plu. En tout cas, cet épisode drone, la prochaine fois ce sera la R6D. Pareil, je vais essayer de la faire au sniper ou avec un petit pétard. Donc voilà les gens, c'était Raiden, je vous dis à la prochaine et re les amis, donc voilà, j'ai oublié de vous dire en fait comment fallait faire pour avoir l'atout fantôme. Donc regardez, une fois que vous avez fait une partie, parce que vous devez faire une partie avant de comment dire, avant de débloquer vos classes, avant d'avoir accès à vos classes. Et ensuite, lorsque vous avez accès à vos classes, donc une fois que vous avez XP de 4 niveaux, je crois, vous pouvez aller sur l'atout fantôme et vous trouverez là-dessus des informations en bas. Il y a marqué appuyez sur R1 pour débloquer cet atout. Appuyez sur R1 et voilà, vous aurez l'atout que vous voulez. Si vous voulez fantôme, vous aurez fantôme ou voilà. Voilà. Donc ça marche pour tous les atouts. J'ai pas testé pour les armes, je pense. Oui, je pense qu'on a un seul élément permanent à débloquer. Donc voilà les gens. Cette fois, je vous dis vraiment au revoir les gens. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.